Je sais même pas si ma gueule elle est potable. Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur mon nail store. Donc voilà, je vous montre un peu comment se présente là où je fais ma manucure. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Voilà comment se présente mon petit espace. Ici c'est là où la personne s'assoit et moi je suis en face. De ce côté-là, la disposition de la personne, j'ai mis dans un petit cadre comme ça. Je trouve sympa tous les différentes formes d'ongles. Voilà. Donc, je trouve ça assez pratique. Ici, on a les couleurs, tout ce que c'était fait, etc. Mes deux lampes. On peut mettre les petites mains. Ici, c'est là où elle va mettre ses mains comme ça. Voilà, petite serviette, tout. Là, je vais passer de l'autre côté, de mon côté. Donc là, c'est là où je m'assois. De ce côté-là, on a ma ponceuse. Oula, ça, il va falloir que je nettoie. On a ma petite ponceuse. Ici, c'est là où on a mes cotons. Là, on a tous mes petits accessoires. Pinceau, lime, coupe cuticule, coupe capsule, voilà, et tous mes autres pinceaux à nail art. Là, c'est d'autres limes, on a une pince, un douting tool, bref, etc. Ma petite éponge, etc. Un autre coupe cuticule. Là, c'est mon produit, un nettoyant main et surface, donc c'est un désinfectant de chez Angle 24, il est super. Là, c'est mon petit cleaner. Bref, on a mon coupe-ongle. Et là, c'est tous mes produits à ma disposition. Donc, c'est plus facile. Donc, on a mon huile à cuticule. On a ma finition, mon nail prep, mon primer et une autre finition. Quand je... Les paillettes. En fait, j'utilise deux finitions. Parce que dans une finition, j'utilise que pour, par exemple, les pigments ou les paillettes pour pas que... qu'elle se mélange en fait, pour pas que si une cliente elle veut une finition, ben, que je me retrouve pas avec une seule finition avec des paillettes dedans, ça va pas le faire du tout. Là on a ma petite bougie, je l'ai bientôt terminée. De ce côté là, on a mes capsules à ma portée de main aussi. D'ailleurs, il va falloir que je fasse le stock. Là on a mes embouts de ponceuse, on a mes blocs polissoirs. Ici dans mon petit tiroir, on a tous mes gels paint art, le white, le black, le corail. Donc là on a mes gels monophase clear, ça c'est mon gel monophase compact flex. Là on a mon fiber gel milky rose. Là on a une finition glossy spéciale pour les baby boomers, il est top. Là on a mon gel, encore un gel de construction de chez Victoria Vin. Et au fond on a trois pots de 30 grammes en rechange. On va dire que c'est ma réserve, j'en ai trois au fond. Et c'est des gels monophase compact flex, je les aime trop. J'aime trop travailler avec ça. Dans le deuxième compartiment, on a tous mes gels de couleurs. Donc il y en a encore au fond. Et voilà où j'ai numéroté. Donc c'est des gels, des petits pots, hein, de 5 grammes comme ça. Donc je trouvais ça bien de les numéroter pour ne pas me perdre. Dans le troisième, on a tous mes effets, c'est-à-dire mes paillettes, mes pigments chrome, etc. Mon effet sirène. Donc voilà, on a tous mes petites paillettes. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que j'ai passé une commande sur Framenaze, donc pour encore plus de nouveautés pour les fêtes, pour Halloween, etc. Donc c'est super. Et dans ma dernière petite boîte, c'est un peu le bazar. Donc on a mes colles à capsule. Ouais, j'ai beaucoup de colles à capsule. On a un autre bloc pour l'histoire. Et là on a tous mes petits... les petites éponges. Je vais appeler ça comme ça pour appliquer mes pigments.
On a des bâtonnets de buis. Ouais, c'est, on va dire que c'est un peu le bazar ici. Et ensuite, dans cette grosse petite étagère comme ça, j'ai, on va commencer par ici. Que vu que j'ai passé une commande, ça commence à se remplir petit à petit. Mais là, on va dire qu'on a tous mes vernis de couleur chablon. Et là, on a comment ? On a des bases, on a encore des couleurs, on a comment ? Encore des bases, ça c'est des une huile à cuticule, enfin de l'émollient, pardon, plutôt. Bref, gummy base, on a un peu voilà des bases et des top coat. Là, on a une crème pour les mains que je mets à mes clientes, à des personnes, enfin quand elles viennent faire leurs ongles. Et là, dans cette petite boîte, on a, c'est aussi d'autres réserves, on va dire ça, comme ça. On a un autre, un primer sans acide. On a une base top coating. Et on a un eye prep. D'ailleurs, je vais en mettre un dedans que je ne m'en sers pas. Je vais en mettre celui-là. Voilà. Voilà pour le premier bac. Pour le deuxième, c'est un peu aussi le bazar. Bref, ça c'est au cas où si j'ai d'autres produits que j'ai envie de mettre dans un sachet. Là, on a deux échantillons qu'il faut que je teste. C'est pour les mains ou pour le corps. Mais voilà, comme ça, si j'aurais envie d'acheter... Donc je pourrais en acheter sur le site, donc c'est super. Là on a d'autres capsules, donc et d'ailleurs là elles sont vides, hein. C'est la mouise quoi. Là on a un mode d'emploi, on a une petite lampe, bref, mes trucs, notre truc de ponceuse, c'est un peu le bazar, on va faire ce compartiment, j'ai envie de vous dire. Voilà, on va vous dire plus. Le troisième, ça c'est vraiment ma réserve, donc on a des tips pour les nuanciers, on a deux cotons de cellulose, deux cleaners de bouteilles, donc celle-là elle est remplie, celle-là et je viens de l'entamer, du dissolvant classique, c'est un Easy Soak Off, un gel remover, le trop fin, je sais pas. Je le trouve pas assez efficace pour moi. Je voulais bien tester ceux de Framnays, mais malheureusement, les produits liquides ne prennent pas l'avion. Donc, je trouve ça assez dommage. Là, on a d'autres capsules, le jambou éponge. Bref, là, on a encore un nettoyant de surface. En fait, c'est vraiment ma réserve. Donc là, on a d'autres peintres ampoules. LED UV tout au fond, c'est le truc pour mon étagère, bref, et là dans ce compartiment on a des blocs, d'autres capsules, on a d'autres comme la capsule, voilà. Donc, c'est vraiment ma petite réserve, ce petit compartiment. Voilà pour l'avant-dernier de ces bois, et là enfin le dernier, c'est le moins intéressant, on a des serviettes et des mes poches, des jolies petites poches, voilà, si on peut faire des cadeaux, bref, etc. Rien d'intéressant. Et ici, j'ai ma petite poubelle qu'il va falloir que je la vide. Déplier ça. On a mon petit agenda. On a ici, mon calendrier. Et là, on a quelques photos de mes réalisations, mon agenda encore. Et là, on a des cours et bref, tous les trucs sur ma formation. Et un masque, bien sûr, il faut que je me protège de la poussière. D'ailleurs, là, il y a mes lunettes qui sont juste là. Il faut que je les mette ici plutôt. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc voilà, je suis pas une pro, j'ai pas de trucs de ouf comme les prothésistes angulaires ont. Donc voilà, c'est vraiment juste ma passion. J'aime faire ça, j'adore ça. Et de toute façon, je compte refaire plein d'autres commandes, ça c'est sûr. J'ai une commande là qui arrive, donc j'ai hâte de la recevoir.
Si ma vidéo vous aura plu, n'hésite pas à lâcher un like, à me suivre, surtout abonne-toi à la chaîne, c'est très important, je compte sur toi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.